Hop. Allez, on est parti pour l'épisode 31 de ce Let's Play Rules Roleplay sous ce que vous voulez sur Mass Effect 2. On avait terminé avec la sœur. Ou la dernière fois, on avait terminé avec la sœur de Miranda, donc. Orianna. Alors. Merci pour tout, Shepard. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Sans, je n'aurais jamais réussi à retrouver Orianna à temps. Ah, pourquoi il y a des lags maintenant? Oula, j'ai les yeux bien rouges. Et vous, vous m'avez prouvé que je pouvais vous faire confiance, contrairement à Niket. Je suis heureuse d'avoir pu l'abattre moi-même. Ah. Je vais en dire à temps. Bon, c'est bon? La cause stabilise ou quoi? Ok. Oula. Oula! Ah, il y a quelques soucis. Alors... Non mais ça suffit! Suffit un peu. Bon. Pareil, c'est dubitatif. Et Orianna, enfin un sourire. Ravi d'avoir pu aider. Donc on avait décidé de continuer la romance avec Liara. Donc Miranda, on la fout au placard. Quoique. Pour créer une jalousie. Et Orianna. Ça vous convient, le nouvel environnement de votre sœur? Elle a ce que je voulais lui donner. Une vie normale et la liberté de choisir sa voie. Et puis elle sait qu'elle a une sœur aînée. Une amie. Une amie? Est-ce que vous allez rester en contact? Vous comptez lui reparler? Franchement, je ne sais pas. Pour une fois, je n'ai pas réfléchi autant à l'avance. Je m'en occuperai après notre mission. Il faut que je reste concentrée. Et de son côté, elle a besoin de temps pour se faire à son nouveau foyer. Vous avez parlé de quoi? Vous ne m'avez pas dit de quoi vous avez parlé. Je me suis présentée. Sa famille est tombée des nues. Elle s'est ressaisie très vite. Elle est aussi intelligente que moi. Elle fait du violon. Son morceau préféré, c'est l'adagio de la cinquième de Nielsen. Comme moi. Son but, c'est de travailler dans le développement colonial. Elle m'a raconté une plaisanterie là-dessus. Elle a beaucoup d'humour. Au moins une chose qu'on n'a pas en commun. Ah. Ah parce que... Oui, non, j'ai rien dit, c'est vrai que t'as pas d'humour. Enfin, sourire. C'est dommage. C'est seulement maintenant que je découvre que vous n'êtes pas qu'un cerveau. Ouh. Notre mission est trop importante. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Mais merci, commandant. Ma sœur est à nouveau en sécurité. C'est quoi cette ligne de tête? C'est en grande partie grâce à vous. Je m'en souviendrai. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah oui, j'ai pas demandé à Miranda pour les améliorations du vaisseau. Commandant, que puis-je faire pour vous? Ah bah non, on a pas. Peux vous parler? Vous auriez une minute? Désolé, Shepard, je n'ai vraiment pas le temps. Ok, bon. Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Bah, plus. Tac, petite sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a à faire? Dans le coup, on a pas mal de choses à faire. Affectation. Ilium. Ilium. Ah oui, je sais. Je sais à qui il appartient. Alors, on a Tali, Samara et Tain. Je sais pas par quoi on va commencer. Déjà, on va aller à la passerelle. Je pense qu'on va commencer par... par Tain. L'assassin. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ah. Merci pour votre aide. Plus. Quasiment tout le personnel d'Exogénie est parti. Ah oui, d'accord. C'est une référence au 1. Avec la planète du Taurien. La genre de plante là qui contrôlait tout le monde sur la colonie. Et dans le coup, tous les humains me tiraient dessus et... j'avais pas le choix de les tuer. Mais j'avais le choix de... En fait, j'avais un certain nombre de grenades. Et c'était des grenades avec un antidote. Dans le coup, je pouvais faire en sorte de soigner quelques humains. Mais pas tous, malheureusement.
Ça, je m'en souviens. Alors. Ouh, pas mal l'endroit. On va prendre Grunt, toujours. Grunt. Et Miranda, tiens. Allez. Vous allez faire une petite sortie. Miranda, hop. Et Shepard, bah y'a rien. On y va. J'avais dit aussi que je ferais du farmer stream. Et je l'ai pas fait hier soir. Ah bah du coup je vais lui donner le médaillon. Je pense que c'est elle. Excusez-moi. Je me bats contre la fichue bureaucratie d'Ilium. J'ai trouvé ça. Excusez-moi, j'ai trouvé un médaillon avec la photo d'un humain et de quelqu'un qui vous ressemble. Oh, Steven. Merci. Merci. Elle pleure ? Ah oui, d'accord. Ma fille était très jeune lorsqu'il est mort. C'est le seul souvenir qu'elle a de lui. Acceptez ce cadeau. Les bureaucrates m'en auraient demandé 10 fois plus pour seulement autoriser les recherches. Qu'est-ce qu'elle m'a donné ? 500 crédits. Essayez de faire à ma façon. Regardez de quel côté le vent a tourné. Eh bien, ce n'est pas comme si c'était moi qui avais attaqué ce module. Je ne sais plus gérer les tendances. Module de piratage, ah oui. Capacité Medigel. Ça peut servir, mais... Alors, est-ce que Liara est revenue ? Restez avec nous pour connaître la liste des 10 plus grosses fortunes d'Ilium. Ouais, c'est barré. Sont-elles toujours bleues à Sari ? Ou les volus sont-ils enfin décrochés ? Alors, on avait dit Tain. Serena travaille maintenant au dock et pourrait détenir des informations. Ok, faut que j'aille trouver Serena. Donc au dock des transports. Allons-y. La vie est parfois incertaine. Voilà pourquoi il vous faut une solution de synthèse de fonctionnelle. Qu'il s'agisse d'assembler des équipements à usage unique ou de décomposer du matériel de récupération. Je sais bien que ces données sont vitales pour la famille Kirosa. Nassana Dentius ne nous a pas laissé le temps de faire nos valises. Je peux m'estimer heureux de m'en être tiré. Serena. Bonjour. Serena. Qui êtes-vous ? Un peu de respect. Quelqu'un qui pourrait faire de votre vie un enfer. Vous arrivez trop tard. Liara Tsoni prétend que vous avez des infos sur Ten Krios. Elle a raison. Tana, remplace-moi. Ah. Suivez-moi. Oui, je connais Ten Krios. Je lui ai peut-être même transmis des informations, mais je ne l'ai pas engagé. Que voulez-vous savoir ? Ah, donc tu sais que c'est un assassin ? Bon, il est où ? Vous pourriez m'aider à le retrouver. Peut-être, mais vous devrez faire vite. Il projette de tuer Nassana Dentius. L'idée est bonne, mais elle sait à quoi s'en tenir. Si vous ne l'arrêtez pas, c'est elle qui s'en chargera. Et elle n'aura aucune pitié. Ce mot lui est étranger. Les forces adverses. Si vous avez travaillé là... Vous devez avoir une idée des forces en présence. J'étais responsable de sa sécurité, avant qu'elle ne lourde mon équipe pour faire la place aux mercenaires d'Eclipse. Votre ami se dirige droit dans la gueule du loup. Ah oui, quand même. Ce nom m'est familier. Pourquoi ? Elle était représentante au Conseil il y a quelques années. Ouais. Elle m'a fait tuer sa sœur, l'esclavagiste. Je croyais que ce n'était qu'une rumeur. Vous savez qu'elle ne recule devant rien dans ce cas. Son influence est encore plus grande ici, sur Nos Astra. Elle s'en sert pour contrôler ses alliés et pour éliminer ses ennemis. Je sais plus qui c'est, moi. Conseil. C'est une Asari, dans le coup. Où est-ce que je peux trouver Tain ? J'ignore où il est, mais je sais où il va. Les tours d'Antius. Le niveau résidentiel de la tour 1. D'accord. Et on peut... Comment on y va ? Véhicule ? Comment on y va ? Il y a une seconde tour, toujours en construction. Si votre ami a un peu de jugeote, c'est là qu'il passera. Et c'est là que vous le trouverez. Est-ce que tu connais un accès ? Nassana ne va pas me dérouler le tapis rouge, je dirais. Pourquoi il y a eu si peu de voix ? Que paranoïaque. Personne n'entre ou sort de cette tour sans combattre. Je peux vous faire entrer, mais vous n'aurez pas de seconde chance. Tain. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur Tain ? Pas grand-chose, mais si Nassana le prend au sérieux, c'est qu'il a du répondant. Dès qu'elle a entendu parler de lui, tout a changé. Je ne l'ai jamais vu aussi angoissée. Votre ami est doué, je n'en doute pas. Mais Nassana est au pied du mur. Elle est d'autant plus dangereuse. Et c'est une question assez importante quand même, c'est pourquoi tu nous aides ? Vous m'offrez votre aide, sans arrière-pensée. Si vous sabordez ses plans, ça me suffira.
Elle a ruiné ma vie et torpillé ma carrière. Je n'ai plus rien à perdre. Oh bah ça marche. Et d'ailleurs, mieux vaut ça que de moisir ici. Bon, ouais, je suis prêt. Alors en avant. Bien, j'en ai ras-le-bol de cette merde. Ah bon ? Nous agirons ce soir, dès que les ouvriers auront quitté la tour 2. Ça marche. Alors faut pas que j'oublie aussi de changer mon lance-grenade et de prendre le fusil nucléaire, là. Le Kane. Qui a l'air d'être assez rigolo. Donc, Garus et Miranda. Alors. Le Quin. Alors. Les tours sont lourdement gardées et la résistance va s'intensifier à proximité de l'appartement. Alors, cet assassin, vous comptez l'arrêter ? Je viens m'assurer qu'il reste en vie, c'est tout. C'est vrai que ça paraît être un peu louche si je disais « Bon bah je vais le recruter, moi. » Nous y voilà, les tours d'Antius. Vous devrez monter au sommet de la tour 2 et traverser le pont pour rejoindre l'appartement. D'accord. Ces mercenaires se battront pied à pied, mais c'est votre meilleure option. On verra plus tard. Pourquoi ? Ah bon, bah direction le sommet. Pourquoi on n'irait pas direct jusqu'au sommet ? Ces mercenaires vous accueilleraient avec une volée de roquettes. La navette serait abattue même pas à mi-parcours. Et d'ailleurs, votre ami ne passera pas par là. Mieux vaut la jouer plus discrète. Et la tour ? Un dernier conseil avant d'y aller ? Les mercenaires d'Eclipse sont sûrement sur le pied de guerre. Et ils ne voudront pas décevoir Nasana. Il n'y a pas de défense automatisée ou de piège. Tirez sur tout ce qui bouge. Ah d'accord, bon bah tant pis. Tant mieux. Tant pis. Et tant mieux. Attendez. C'est ça les tours d'Antius ? Ah non, pas du tout. Ah, c'est ça ! D'accord. Ne vous attardez pas ici, vous aurez de la compagnie bien assez tôt. Ça marche. Bonne chance, Shepard. Merci. Oh, alors que j'ai mon fusil nucléaire dans le dos. Oula. Ah oui, d'accord. Faut déjà passer à l'action. Des liens. Ils nous ont repérés. Ah oui, c'est vrai que je t'ai pas dit de... Oui. Et moi, l'armure. Je pense que ça devrait suffire. Ok. Bon bah on y va. Ils sont arrivés de par là. Ouvrir. Du pognon. Bon. Faut raconter le fusil nucléaire à un moment. Travailleur galérien. Ah mais il est encore en vie ! À l'aide ! Vous tenez le coup ? Je ne sens plus mes jambes. Et cette douleur dans la poitrine ! T'as de la chance. Désolé. Il s'est passé quoi ou vous avez de la chance ? Ouais, t'as eu de la chance ! Vous avez de la chance d'être en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est que l'équipe de nuit. Nasana les a lâchés sur nous. Les mécas nous ont cernés, mais on n'a rien entendu. Et alors, ils ont commencé à tirer. Sans aucune semence ? Ils ont tiré, comme ça. Oui, on n'a pas réagi assez vite. C'était atroce.
tous ces hurlements. Les mercenaires ont dit que le temps pressait. Nasana voulait qu'on débarrasse le plancher sur le champ. Alors, les chiens... J'arrive plus à respirer. Là, ça devrait vous tenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Je veux des infos. Hein ? Lui, mais pourquoi ? Prenez votre temps. Je crois que je vais mieux. Trouvez les autres ouvriers, aidez-les. Les mercenaires. Vous savez combien il y a de mercenaires ? Des tas. Ils sont des dizaines à quadriller la zone toute la journée. D'accord. Plus vous grimperez, plus vous en trouverez. Ok, Nasana. Pourquoi Nasana tuerait ses ouvriers ? Pour elle, on est remplaçable, mais... J'aurais pas cru qu'elle irait jusque-là. Mes amis, mes collègues, massacrés ! Ils sautaient depuis les rebords pour échapper aux chiens. Ah, depuis les rebords, carrément ? Bon, bah, on y va. Je vais me barrer. Je ferai ce que je peux. Merci. Bon. En avant. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer ? Non. Bon, bah, on y va. Sérieux, t'es déjà mort ? Non, laisse tomber. Occupe-toi de celui là-bas. Y'a un chien ! Oula! Et grenade. Tu vas mourir. Ah, je l'ai pas touché. Ok. Rien ne peut me résister. Qu'il en reste. Ah oui, il en reste. On a tellement... Ouais, bon, on va réanimer Miranda. Là, ils sont trop nombreux. Tu me mets à courir. Trop tard. Tu vas mourir. Je suis bien à couvert. Rassure-moi. Pas de problème. Oui, en plein dans le cul. Ouais, qu'est-ce que... Gren, tu nous fais quoi, là ? Ah, j'ai raté. On est bon ? On est bon. Ah non, on est pas bon. Ça arrive en masse, j'ai l'impression. Là, ça arrache du sang. Je pense qu'il est temps. Non, il est pas encore temps. Il est où l'autre chien ? Ok.
Oh sérieux, ça le touche pas? Trop tard! Tu vas mourir! Je suis un Krogan! Oui, on sait que t'es un Krogan, bro. Même. Passe à la rage du sang. Une déchirure va les calmer. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer dans le coin? Oh vraiment. Ouh. Il est entré là. Eh bien, va le descendre. Allez-y, vous. Fourrez votre cul là-dedans. Nassana ne vous paie pas à rien foutre. C'est bon. Ah, mais je... Ah, merde. Je suis... Ok. Putain, mais Miranda, j'ai l'impression qu'elle sert à rien à chaque fois. Dingue quand même. Ah mais il faut le charger. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Activation. Putain, mais... Dorint. Compris. Miranda, excuse-moi de dire ça, mais tu ne sers à rien. Rien ne peut me résister. Quoi? D'où il se fait tirer dessus? Ah! What? Allez, ça pose de toi. Je
Il est où? On est bon ou pas? Non, il en reste. Ah, il en reste. Il en reste pas mal. Ça, ça va les faire réfléchir. Grunt! Merci. Quand même. Putain, quand Grunt il dit non, c'est non. Hein. H. Oh oh. Bon. Donc, voilà. Et. On y va. Et Grunt, bah tu te démerdes. Ce sera vite fait. Voilà. La porte est menée où en fait? Juste pour savoir. D'accord, elle menait là. Bon à savoir. Kit médical. Que j'ai vraiment plus beaucoup de médigel. Ah, je peux pas sauvegarder. Je me passe ta couverture. Tu vas mourir. Pas de problème. Mobile. Non. Je me mets à couvert. Non, tu restes là. Ok. Bon, fouillons un peu la zone. Oh, j'ai vu l'accumulateur. Oui, oui. Ah tiens, un nouveau fusil. Intéressant. Et dans le coup, il est chargé à fond ou pas? Presque. Il est presque chargé à fond. Rien d'autre? Non. Ok.
J'ai vu qu'il y avait une autre porte. Yola. Pourquoi j'ai vu déverrouiller? Ah oui. J'ai mal au doigt. Qu'est-ce que c'est? Des prisonniers? Non, ne nous tuez pas. On s'en va. On s'en va. C'est pas des gens d'Eclipse, ça? Vous êtes là pour nous aider, pas vrai? Non. On peut dire ça. Vous pouvez sortir. Vous avez vu quelqu'un de suspect, à part les mercenaires? Ben... celui qui nous a bouclés ici. Quand il nous a trouvés, j'ai cru qu'on allait y passer. Mais il n'a fait que sceller la porte. C'est peut-être lui, mais j'imagine mal un assassin faire ça. Un assassin? Il est là pour Nasana à tous les coups. Ça lui pendait au nez. Quand on malmène les gens comme ça, faut s'attendre à un retour de bâton. L'assassin. Vous avez vu celui qui vous a enfermé ici? Vous sauriez par où il est passé? Ce n'est pas un galarien, c'est sûr. Mais par où il est parti, aucune idée. S'il en a après Nasana, il se dirige sûrement vers les étages supérieurs. Ok. À votre place, je ne m'éterniserai pas. Évacuez vers les étages inférieurs. Exactement ce que je me disais. Vous autres, on décampe. Bon. Merci. Pas de quoi. Dites à votre assassin de viser la tête, vu qu'elle a un bout de métal à la place du cœur. On y va. D'accord. Si tu veux. Bien. J'ai comme l'impression que cet ascenseur n'arrive pas à vide. On devrait se planquer derrière. Des trucs. Mezzanine, nous vous souhaitons un bon séjour. Conseil repéré. On y va. Oh ok, il y a un chasseur de primes, deux chasseurs de primes. Oh, d'accord. Attention au Krogan. Laisse pas faire. Grun, te laisse pas faire. Défonce. Tu vas mourir. Un de moins. J'ai perdu la cible de premier coup, la cible en visuel. Attention, drone. Oh. Ils embarquent du loup. Ok. Alors j'aime bien, c'est que le canon nucléaire, il arrête pas de fumer, mais... ça ne fait rien. Et puis il faut attendre qu'il soit chargé à 100% pour l'utiliser. Vous en faites pas, mon escouade est prête à intervenir. Je sais pas où il est. Pas encore. Ah, ça grésille. Ah, ça grésille. Ne vous en faites pas. Je vais relancer le stream juste après. Bah, le stream. Je m'en charge. De Shadow. On a la situation en main. J'irai moi-même. Retourne-toi lentement. Ah, bah je vais bordel. Faire... on va faire comme ça. Hop. Hein? Voilà. Hein? Mais... mais que... qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Shadow qui me dit que ça marche alors que ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon. Alors. Je vais attendre que...
apparaît chez vous. Voilà. Alors, j'ai besoin de réponse. Dis-moi où est l'assassin et peut-être que je t'épargnerai. Si je le savais, je perdrais pas mon temps à vous parler. Vous n'êtes pas l'un des mercenaires de Nasana, vous êtes qui? Dis-moi ce que je veux savoir, ou c'est le grand saut. À toi de choisir. Écoutez, même si je savais où il était, je ne vous dirais rien. Mauvaise réponse. J'ai rien à vous dire. Flinguez... Ah oui. Même pas un petit au revoir. Ah mais... Je lui ai dit que s'il me parlait pas... Je... Hein? Je lui faisais faire le grand saut, bah voilà. Ce disque de stockage contient les données génétiques de la famille Kirosa. Le DSO est son propriétaire. Oh oh. Il est partout en même temps. C'est-à-dire? On a signalé sa présence sur plusieurs niveaux. On pense qu'il se déplace dans les conduits de ventilation. Je ne vous paie pas pour spéculer. Retrouvez-le, maintenant! Bordel! Le prochain coup, c'est nous qu'elle jettera au chien. Qu'est-ce que... Soumettez-vous! Sans problème. Ça sera vite fait. Je vais brouiller leur système. J'engage la cible. Ok. Pas de problème. C'est parti. Je m'y colle. Reviens là, toi. Quand vous cliquez en fait pour donner un autre votre personnage et que. Et qu'au lieu d'attaquer, il va à, à la position indiquée, c'est chiant. Alors. Dites, ça va là-dedans. Salut. En arrière, sinon, je tire. Lâche ton flingue, lézard. Ne me forcez pas à vous faire du mal. Paf! Me faire du mal. Je n'ai rien sorti. Télon. Il va bien. J'ai juste mis une en petite douceur. Grotte. C'est mon frère. Je veux juste m'assurer qu'il va bien. Bon. Ok. C'est vous qui avez tué le mercenaire? Oui. Ah, pas celui-là. J'en ai refroidi quelques-uns, mais celui-là n'était pas de mon fait. Alors qui? Je comptais sur vous pour me le dire. Le mercenaire nous a trouvés et il nous a hurlé de dégager. On a paniqué et il a hurlé encore plus. Je croyais qu'il allait tous nous tuer. Et ensuite, quelqu'un lui a grillé la cervelle. D'accord. Télon a ramassé son arme, mais on n'a pas osé partir. Et ensuite, vous êtes arrivé. C'était un tir très précis. Tane. Je cherche quelqu'un. Le même qui a abattu ce mercenaire, sans doute. Télon a cru voir quelqu'un nous suivre, mais... Disons qu'il est un peu à vif. À part les mercenaires, je n'ai vu personne. Le pont. On peut franchir le pont sans risque. Le pont est stable, mais le vent risque de vous secouer. Si c'est pas le vent, c'est les mercenaires qui essaieront de vous envoyer valser. Ils sont partout. L'appartement. Le pont est le seul moyen d'accéder à l'appartement de la tour 1. D'ici? Ouais. Mais vous allez en baver. Les mercenaires patrouillent de l'autre côté. D'accord. Si Nasana flippe à ce point, il y a forcément une raison. Vous devriez partir. Il reste des mercenaires. Réfugiez-vous aux étages inférieurs. Pas besoin de me le dire deux fois. Télon, allez, lève-toi. On rentre chez nous? Ouais, on dégage d'ici. Merci. Ah, pas de quoi.
Oula. Oula. Pire, attends ce PDA. Oula. Attendez, je vais attendre que Shadow se stabilise. Ok. Facile. Y'a autre chose? Ouais, rien. Bon. Bah, continuons. Qu'est-ce que vous fabriquez? Terminal radio. Je veux un rapport et tout de suite. Ah. Ah, il est prêt. Il était temps. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Vos hommes ne sont plus en état de répondre, Nasana. Bon sang! Secours! Encore d'autres. Ouf! À moi. Voilà. Comptez sur moi. Toi, tu bouges plus. Tac. Elle a complètement pété les plombs. Vous savez quoi, on va retirer le canon nucléaire parce qu'il sert à rien. On peut pas l'utiliser. Par contre celui-là, oui. Ça sera peut-être même meilleur. Ah, je vais pas le voir. Bon. Ah, on est sur le toit. Quota pour les explosifs, il est déjà passé. Faut un médecin. Laissez déstabiliser, concentrez les coups sur eux. Planquez-vous. Éclipse brisé. En avant, Éclipse. Je me fais le méca léger. Soldat d'Éclipse. Combien de PV? Ah, il a combien de trucs différents? Pas de problème. On peut la tuer? Sans problème. Merci. Ah. Mitraillette. Je vais prendre ça, on sait jamais. 12 000! Ouh, ça c'est un travail pour moi ça. Oh là là! Premier coup. On s'est fait repérer. Oh merde. Le méca léger est à moi. Allez, je n'ai plus la
cible envisagée. La cible est passée en film du disparu spécialaire. Ok. Affirmatif. C'est bon. À droite devant. J'ai eu deux drones lance-missiles. Oh, merde. J'ai pas compris ce qui m'a fait bouger. Ah, bouge Miranda! Merci. Un safe spot. Et ben comme j'ai un safe spot. Ça va les PV Quand même. Le nombre de PV quoi. Bon, bah on y est. Par contre j'ai toujours pas vu Tain hein. Shepard, mais vous êtes mort. Bah non. Je me suis armé. Et vous êtes là pour me tuer. C'est ce que vous croyez? Peut-être que vous me manquiez. Allez vous faire foutre, Shepard. Toujours aussi charmante. L'ironie de la situation ne vous échappe sûrement pas. Vous avez tué ma sœur et maintenant ouais. Mon tour est venu. C'est vrai que sa sœur faisait partie du conseil. Eh bien, vous voilà. Et maintenant? Vous croyez que je suis venu vous tuer? Sinon, pourquoi est-ce que vous auriez rasé ma tour et tué mes gardes? Ah, qu'est-ce qu'ils m'ont tiré? Je recherche quelqu'un. Vous vous attendez à ce que je vous croie? Vous courez après les crédits, c'est ça? Dites-moi votre prix. Il y a toujours moyen de s'arranger. Combien? Faites-moi une offre. Je vous paierai le double. Oh là là. Et encore le double si vous me dites qui vous a engagé. Quoi? J'ai entendu un bruit. Bon sang, contrôlez les autres accès. Donc, x4. Vous, restez où vous êtes. Quand j'en aurai terminé, c'est un drill. Parasite, vous et moi allons. Qui Quick.
Il est très professionnel. Waouh, il a tout décimé en 2 secondes. C'est un professionnel. Alors comme ça, c'est lui qu'on recherche. Bien. Bon. Et est-ce qu'il va essayer de nous tuer? Bonjour. Bonjour. Eh. Savez quoi? Je vais profiter de ce moment pour faire une pause VOD. A plus YouTube, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à venir sur le stream. Et bien sûr à partager le contenu. Allez, zou.